Hey yo tout le monde, c'est Yob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Satisfactory. J'ai du mal avec l'intro, lui dire je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, je fais un mélange bizarre, mais c'est pas grave. Regardez, ça envoie du biocarburant. Bon, au moins... Ah oui, là c'est parce qu'il reste un peu objet pertinent. Comment ça, j'ai encore de la biomasse sur moi? Ah, j'étais persuadé d'avoir tout fini. Bon, j'étais persuadé d'avoir tout fini, c'est pas grave, on ira en faire un peu plus tard. Aujourd'hui, on va continuer. On va continuer tout ça. On va continuer d'envoyer nos ressources à l'ascenseur spatial. Ça... Ah. Ça c'est ballot. On va refaire un tour, on a besoin de vis, on a besoin de câbles. C'est les deux trucs les plus éloignés. C'est pas bien grave. En attendant que la navette revienne, ce que je ferai, c'est que je passerai un coup de débroussailleuse à quelques arbres qui nous gênent encore. On va retirer très gentiment. Hop. Excuse me. Ça et les câbles et oui, faut le débroussailleuse après. En tout cas, je suis sûr que ça c'est un peu plus petit. Hein. Vraiment l'impression que c'est un peu plus petit. Hop là, tiens. Ah! J'ai pas été bon. Ah merde, j'étais persuadé que... Bon, c'est pas très grave. Bon, on va faire ça. Hein. Ouais, c'est bien, ça évite de faire tout le tour. Tiens, hé. Tac, 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 voilà. On va sortir la tronçonneuse. On a 2-3 trucs à retirer quand même. Ah zut, je peux pas passer. Ah, je suis obligé de passer par là. Bon. Non mais là j'en profite comme je suis pas loin et en plus utiliser ça permet en plus de retirer dans un rayon donc de retirer les trucs dans un rayon donc c'est vraiment pratique pour se faire un peu de biomasse en début de partie. Allez ça là, hop, un coup là. Hop. Comment ça? Bah. J'étais persuadé que ça retirait en zone. Bizarre. Bon, bah c'est peut-être une feature qui n'existe plus. C'est de la redécouverte. Hein, c'est la version 1.0 après tout. Donc on envoie ça. On envoie. Il manquait quoi ça? Voilà. Next, tremplin. Wow. Milestone reached. The assembler can produce more complex parts, including the first project part, smart plating, which is crucial for initiating project assembly. Project parts must be delivered to the space elevator. By completing your contracted duties as part of project assembly, you will definitely be helping achieve Fixit company goals without any other ulterior motive. Note, humans cannot craft project parts. Ceux qui traînent. Fixit cherishes your innate human abilities, such as walking, striking objects, and commodifying natural resources. Ah là, ça a retiré l'autre arbre. Je suis pas fou. Mm-hmm.
Hop. Est-ce qu'il y en a d'autres qui nous bloquent? Pas de suite. Tu vois, là, si je fais ça, là... Genre... Ah si, c'est en... Ah oui, il y avait un arbre, là. Ah bah oui, ça se voit. Il y a des feuilles qui tombent. C'est même... ouais, c'est même plus large que ce que je pensais. Étrange, étrange. Ça me demande quoi? Des rotors? Terrible. J'ai... Enfin. Ouais, c'est quand même. Je trouve quand même ça un peu dommage de demander les rotors, etc. Avant le passage au charbon, c'est. C'est un peu gourmand quoi, les rotors, c'est... Ça fait quand même passer par l'assembleuse, ça demande d'énergie... J'espérais qu'il y en aura dans la... que le charbon ce soit la phase d'après, hein, parce que là... On va activer cette étape-là plutôt. Est-ce que je peux... Non ? Ah, oui. Il me faut quoi? Tige de fer et plaque de fer. Bon, ça va. C'est pas le plus loin. C'est vraiment pas le plus éloigné, quoi. Hop là. Bah, en attendant, on a 3 minutes à attendre avant le retour de la capsule. Du carburant solide aussi. Essayez. Là, je peux faire 50 rotors. Attends, comment ça je peux faire 50 rotors? Ça peut être intéressant de faire les rotors. Câble ou un truc comme ça. Ouais, j'ai cadre modulaire et tout le cuivre qui ont été débloqués. On va voir. Rapide. Ouais, j'ai plus de place. Hop. Je suis même pas sûr que ça suive. Ouais, tu me diras si c'est censé être compact là. C'est où c'est ça? Oui. Attendez, j'y pense, mais. Il y en a. Là, j'en avais un petit peu, donc ce qui fait que là, je peux faire ça. Et. Mais ça, et comme ça, ça m'en libère un autre. Voilà comment on te libère de la place. Par contre, je vais avoir besoin d'un. Et j'ai déjà plus de place. En vrai, je sais pas combien de temps c'est, combien de temps je suis resté AFK à faire du biocarburant solide, mais vous voyez le temps de transformation que ça prend. 10, il y en a pour au moins 3 secondes. Du temps. Ah, on a le retour de la capsule. On va pouvoir lui envoyer ce qu'elle a envie là. En longtemps, mais je vois qu'il reste encore une dizaine de minutes.
Combien on a 10 minutes. Oh, tranquille, hop. Tiens, boum, 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 et boum. Eh. À peine arrivé que tu peux rebarrer. Tu peux rebarrer, toi. Milestone reached. You have been given access to the heavy waste effort for stress testing of materials on Exoplanet's bonus program, also known as Awesome. Your awesome input allows Fixit to comprehend our amazing universe more clearly. In appreciation of this, we have generously set up an internal, closed economy with exclusive rewards and currency. Oui. Directing parts of varying quantity and complexity into the Awesome Resource Sync will grant Fixit coupons. These coupons can be redeemed in the Awesome Shop for highly desirable items such as new foundations, ah, oui, walls, factory attachments, cosmetics, parts, and more. Next time you have additional resources, just remember to go that extra kilometer. Go Awesome. Écoute, on va faire ce magasin. On va faire les 50 retors, je crois qu'il était demandé. Attends, je vais pas me tromper. Je vais pas en faire de trop, 50, ouais. Alors, on en parle où c'est quand même beaucoup moins long de faire un rotor que de faire de la biomasse compactée, hein. Du carburant, du biocarburant solide. Non mais ok, je comprends. Pas du tout. Je suis pas du tout à dire exaspéré par le manque de logique. On réen. Oh, pas se plaindre. Je vais pas me plaindre si c'est plus rapide. Ça me va aussi, hein. C'est-à-dire que j'aurai accès en théorie un peu plus rapidement à. À la production d'énergie, d'électricité par le charbon. Donc je vais pas me plaindre. Ouais. Qui serais-je pour me plaindre? Simplement moi-même. C'est pas grave. Hop, 48, 49, 50. Tac, oui, il faut attendre son retour. Ouais, oui, effectivement. On continue sur le biocarburant. On continue sur le biocarburant. Non mais je vous avais dit, j'enverrai les navettes et tout quand vous serez là, donc bon, après là, je suis obligé de... Faut bien combler entre tout, hein, voilà. Alors, en plus, au niveau du charbon, je sais qu'il n'y en a pas très... très lourd... Non, je vais pas dire je sais. Non mais il y a tellement de choses qui peuvent changer entre une version de bêta et une version 1.0, et je crois qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Alors je vais pas dire je sais, mais... Dans la bêta... Voilà, c'est comme ça qu'il faut que je la porte. Dans la bêta... Dans la bêta, il y avait du charbon pas très loin de là où je suis. Il me semble, parce que la première fois que j'ai joué, enfin, la seule fois où j'ai joué à cet endroit, c'était en duo, c'était avec un pote Divis, tu passes par là, des bisous. Et bon, c'était lui qui s'était occupé de la production d'Elec. Et je crois qu'il allait pas chercher trop loin le charbon, hein. Donc je me dis, avec un peu de chance, on n'est pas trop éloigné d'une potentielle source. Ce qui m'arrange. Ah, entre nous. C'est toujours arrangeant. Allez, 53 secondes avant le retour de la capsule qu'on va renvoyer direct. Ah, j'ai ce qu'il faut en plaque de fer, j'ai ce qu'il faut en... en câble. Donc on va pouvoir la renvoyer presque immédiatement. Tube de cuivre, ça ne nous intéresse pas de suite. Cadre modulaire, pareil. Cadre modulaire. Ouais, c'est deux ingrédients, je crois, les cadres modulaires. Ah. On entend la capsule.
Can you hear? C'est bon, she's back. On l'a renvoyé, allez, dégage. Voilà. Milestone reached. The Fixit Jump Pad combines high technology and innovation. À deuxième vitesse de convoyeur, ça c'est bien. Attends. Clarification. Ideal travel experience not guaranteed. Non, parce que je suis en train de dire ouais, ça c'est bien. Sauf que ça va me demander des packs de fer renforcés. Non. En vrai, c'est terrible. J'avais pas pensé à ça. Oh non, sniff. C'est-à-dire qu'il va falloir améliorer à quelques endroits des convoyeurs. Je crois en vrai que les convoyeurs en plus 2 ils sont chiants parce que le 3, je sais plus quel matériau demande des convoyeurs 3. Je crois que c'est beaucoup plus... Ah non, non. C'est pas les trucs en béton armé ou un truc comme ça là. Le mieux c'est le 5. C'est une fois que t'as de la lutte et t'es tranquille, le 5, tu améliores toi en 5. Tu pisses de la lutte par tous les trous entre guillemets. Même là, là, pour terminer ça, je sais même pas de ce dont j'ai besoin, il va falloir que je jette un oeil. Allez, pack de fer renforcé, 50, bim. J'en avais déjà quelques-unes, c'est vrai. Bon, on va en garder pour une ou deux. Un ou deux constructeurs, je vais dire une constructeuse. Oui, bon. Pas. Ah. C'est un mot max féminin masculin. Voilà, c'est un mot sans genre ou unigenre. Non, bah non, pas unigenre, multigenre ou sans genre au choix. Ah, multi. J'en sais rien. Enfin bref. Voilà, merci de votre patience. Regardez, je reviens avant la fin de la fabrication. Plaque de fer en français. Par contre, il va me falloir des plaques de fer, il va me falloir des tiges de fer, il va me falloir... Ok, plaque et tige de fer encore. Tac, tac et tac. Voilà, on a pris 400. Avec ce que j'avais déjà, ça devrait suffire. I'm here! Et j'ai l'impression de pas en avoir fait quoi, alors que j'arrête pas depuis tout à l'heure. Entendez-vous ce bruit? Pourquoi ça me change d'écran à chaque fois ça? Ce bruit de retour de la capsule. La phase maintenant. Bim, spim, spim, spim. Logique MK2. Milestone reached. Fixit would like to remind you of your contractual obligation towards efficiency. Oui. Recreational use of belts and lifts does not count towards oui. Work hours and will put you on the list. Stay efficient. Don't disappoint Fixit. C'est tout? Les gars. Donc Hein
Ah si, c'est ça, plaque de fer renforcée. La différence, c'est la plaque de fer renforcée. Sinon, qu'est-ce que j'ai débloqué? Toujours un seul type de fondation, transport 1. Ah oui. Tremplin et bon, ça... C'est pas terrible hein, entre nous. Ça on a pas... Si on a le coffre d'ailleurs. Moi tous les MK2. Ah, un convoyeur empilable. Ah, c'est pas mal. Ah, boutique et broyeur, oui. Alors. Ah, j'ai plus de vis. On va chercher les... On va chercher des vis. Et on va préparer à... à faire la boutique. On va chercher quand même 1500 vis, ça devrait être faire. Oh, il fait nuit. Est-ce qu'il y a des loups? Passage verticaux, etc. Ça va être important. Prise murale, etc. Tout ce qui est dans la gestion, on va vouloir vite. Pff, ça, je vois rien à secouer. Ça. Ça va être intéressant. Ça va coûter plus de béton, mais ça nous coûtera plus de fer, je crois. Donc ça, c'est intéressant. Ça, on s'en fout. Oui, si, ça. Fondation, ouais, si ça peut servir ça aussi. Murs quelques-uns, les murs à convoyeurs, ça m'intéresse. Murs avec porte, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. C'est pas une prio, ça, pas une prio. Ouais, ça c'est vraiment si on est dans la dèche, je suppose, à un moment. Donc à éviter. On n'a pas débloqué le palier parce qu'on a besoin de valider la phase. Donc, assembleuse. Non. Ah putain, j'ai besoin de rotor et j'ai besoin de... Ah c'est terrible. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Donc assembleuse, c'est bon. Alors comment qu'on doit faire ça? Ok, ok, et... Oh! Terrible! Il m'en faut 50, bon. Bah vous savez ce qu'on va faire. Hein. Je préparerai ça et je ferai en sorte que ça soit envoyé dans... Que ça soit envoyable dans le prochain épisode. Hein. Assembleur, là c'est l'entrée. Oui. Je vais le faire comme ça. Voilà. Et bah on va demander est-ce qu'on ait un plaquage intelligent. C'est combien là? 1. Donc il me faut 50 rotors. Et 50 plaques de fer renforcées. Ah c'est parti mon kiki. C'est parti mon kiki. Ah oh, c'est con ça.
Vis et tige. On va faire le plein de vis et de tige. Hein. Attends, est-ce que si je prends juste des tiges, ça suffit? Je sais pas. Non, pas du tout, du tout. C'est dommage. On va chercher des vis. Et on fera nos rotors sur place. Au cas où on ait besoin de vis après, encore à venir. Quoi. Allez, c'est parti pour 50 rotors, les gars. Oh pardon. Oh. Ah, j'étais en train de penser là avec toute cette histoire d'atelier là. Je me suis pris de passion récemment, enfin non pas de passion. Faut pas déconner quand même. D'intérêt pour des vidéos d'un mec, sa chaîne YouTube c'est. Je crois que c'est la Forge du Lit. Lit L-Y-S. De la fleur. Je crois. Et c'est super sympa, c'est de la forge à la main, ancienne, marteau en clume, tu vois. Et c'est vachement sympa là, franchement pour chill les gars, je vous conseille d'aller jeter un œil. C'est vraiment cool. Hop, plaque de fer renforcée, il me manque. C'est sûrement autant de vis que du reste. Hop, et je vais en prendre un autre là. Et ah, bon, là il manque des plaques à mon avis, donc on va aller chercher les plaques. Mais voilà, c'est ultra sympa, ils t'apprennent à... Enfin ils t'apprennent, non, disons que tu apprends plus des choses qu'ils t'apprennent. Par exemple à forger de l'acier d'amas. Qu'est-ce que déjà... T'es en mode ouais un couteau d'amas, t'étais en mode ouais pour moi c'était de la ville tu vois. Non pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est une méthode de forge. C'est très intéressant, c'est le principe, si j'ai bien compris. Hein. C'est de replier différents types d'acier, en fait c'est de former un acier à partir de différents types d'acier. Ou alors de former un matériau plutôt, oui, ce serait plus logique de dire comme ça. À partir de différents types de matériaux. Et je suppose que c'est de l'acier puisque. On parle d'acier d'amas et je suppose que le matériau final obtenu est dit comme étant de l'acier. Après je ne suis pas un expert. Hein. Moi mon expert c'est on va dire la chose dans laquelle je suis expert c'est pas grand chose. Être flemmard. Ça j'ai un. J'ai que. Ouais bah, j'ai. Oula j'ai facilement un bac plus 30 en flemmardise. Dès ma naissance j'avais eu le bac, c'était impeccable tu vois. j'ai certaines connaissances en langage de programmation mais voilà. Non à part ça je suis pas expert. On est expert en rien après tout, l'amélioration est constante. Prenez le cas par exemple pour les arts martiaux, pour ceux qui en font. Hein. Quand tu arrives ceinture noire, la ceinture d'après c'est la ceinture blanche. Voilà. Tu recommences du début. Tout est sous-entendu, hein. C'est, tu n'as fait que la première étape, maintenant tu vas recommencer. Car après tout, tu n'arriveras jamais au bout du chemin. Ou alors c'est plutôt, il n'y a pas de bout du chemin. C'est un périple sans fin. Très intéressant, j'adore le principe des arts martiaux.
Ne te crois pas, ne crois pas être arrivé en étant de, d'avoir fini, ne crois pas avoir fini le truc, il y a toujours à améliorer quoi. C'est ultra sympa. Alors, on va envoyer tout ça là-bas, on va tirer un câble aussi. Ah oui, d'accord, je me dis, tiens, ça s'alimente ça maintenant. Hop. Ah. Voilà. Oui. Eh ben non. Tac. Tu m'en donnes 50, s'il te plaît. 5. Ah, mais dis donc. C'est chiant ça. Viens là. Il m'en faut 6. Oh putain. Donne-moi. Voilà, merci. On va y arriver. On va y... Regardez. Voilà. Et là, ça construit tout seul. Magnifique. On a combien de temps dans la vidéo? Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous reprendrai dans le prochain épisode bah, pour l'envoi du... Pour l'envoi en... merde, comment on appelle ça? Sur le satellite orbital? Satellite en... En géostationnement orbital. Et je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode. Un grand merci à tous d'avoir suivi. C'était Tiob.